Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryptomatrix, nouvelle émission euh, du jeudi. Pas de revenus euh, hebdomadaire DeFi euh, cette semaine, puisque Harry qui est la personne chez AV qui euh, me fait mes fiches, que je vous partage, enfin je vous partage une version allégée euh, en description, et actuellement en congé, congé bien mérité, parce que ça a été pas mal de boulot ces derniers temps chez AV, et il y a encore beaucoup de boulot jusqu'à la fin de l'année, avec euh, la V3 sur le mainnet, euh, le stablecoin go, et j'en passe et des meilleurs, donc euh, il prend un peu de repos, c'est bien mérité, et on retrouvera le format euh, actu euh, des filles hebdomadaires euh, à son retour, je pense un petit peu après le merge, a priori, oui, c'est ça. Un petit peu après le merge. En attendant, euh, j'explore des nouveaux formats puisque de toute façon, on est sur un peu une nouvelle case euh, de, de la chaîne CryptoMatrix le jeudi. Et euh, je vous avais fait un tuto la dernière fois. Cette fois, euh, j'aimerais vous présenter de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je fais des trades euh, sur des sujets euh, variés euh, qui parlent d'événements qui vont arriver ou alors je donne mon opinion sur sur certaines choses, etc. Euh, et Quasiment à chaque fois, j'ai des questions euh, de, de gens de la communauté euh, qui veulent plus de précision ou alors qui n'ont pas compris certaines choses, etc. Et c'est vrai qu'il euh, y a différentes difficultés. Euh, la première, bah, c'est que je suis un compte anglophone euh, sur les réseaux sociaux, et bien qu'il existe... Euh, Excellente solution de traduction automatique. Euh, je peux comprendre que bah, quand, euh, quand on a des termes techniques et que ma bah, manière d'écrire qui fait un peu partie de la culture Ethereum, appeler les gens Anon, etc., euh, bah, c'est pas le, le plus accessible et ça met un peu en PLS les traducteurs automatiques parce que c'est loin d'être un anglais parfait. Euh, ça puisse être un petit peu des freins et puis comme on va sur des choses techniques. Euh, certains peuvent euh, pas euh, 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 tout comprendre et je voulais explorer avec vous juste pour tester euh, de prendre un trait de se poser et d'essayer d'aller plus loin ensemble dans le détail puisque les réseaux sociaux c'est vachement bien twitter c'est super mais 280 caractères, ça limite forcément la capacité de ce qu'on peut transmettre et il faut aller à l'essentiel et on n'a pas vraiment le temps de s'attarder, d'expliquer, etc. Et je pense que ce format vidéo, pas trop long, permet aussi d'explorer et d'avoir une autre, une autre vision des choses et une autre transmission des choses donc en l'espèce cette semaine euh, on va parler de ce trade là que j'ai fait aujourd'hui, donc euh, lorsque j'enregistre l'émission, quand vous regarderez l'émission euh, bah ça datera de quelques jours euh, sur euh, le merge qui va arriver entre le 13 et le 15 septembre euh, a priori euh, le, c euh, ça arrivera dans la nuit pour les européens euh, qui, uh, qui nous écoutent euh, à la fin de la nuit ou en, en tout début de matinée euh, pourquoi on n'a pas de date précise sur le merge Tout simplement, euh, ça je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Mais en fait, il n'existe pas de bloc précis euh, du, du merge, mais une difficulté maximum euh, qui est une terminale, c'est le terme technique euh, de, de nombre de, de puissance de calcul déployée sur la chaîne pour activer euh, cette mise à jour. Ça a été fait pour différentes raisons, et on ira un petit peu plus tard dans l'émission dans le détail là-dessus. L'objet bah, du, du trade, c'est pas, pas ces points-là, c'est se dire ok, le merge va arriver, on a une certitude maintenant. Euh, c'est je pense qu'il y a plus de débat sur la question. Il y aura une nouvelle blockchain qui partagera le même historique qu'Ethereum euh, jusqu'au moment du merge et puis qui deviendra une blockchain indépendante ensuite, c'est Ethereum Proof of Work. Euh, tout le monde a à peu près entendu parler euh, à ce jour que euh, si on a des ethers sur Ethereum, donc euh, Ethereum qui passe en proof of stake et qui garde le nom Ethereum, et eh bien on aura tous ces actifs doublés sur la chaîne Proof of Work, puisqu'ils partagent le même historique, ça c'est une réalité. Et tout le monde se dit est-ce que je dois faire quelque chose, est-ce que je dois me préparer, etc. Euh, et comment, comment je pourrais gagner 2-3 sous dans l'affaire ce qui est euh, une question tout à fait légitime. Et je vous propose d'explorer ensemble, et c'était l'objet de ce trade, euh, quelques stratégies euh, qui sont à mettre en place ou à considérer tout en faisant ses propres recherches et aussi quelques pièges à éviter. On va commencer euh, par les pièges. La première chose à faire c'est de ne rien faire. Alors c'est toujours un peu bizarre de dire ça comme ça, mais euh, à chaque fois qu'il y a une mise à jour majeure, euh, Ethereum classique, c'était euh, c'était arrivé en 2016, euh, des trucs euh, comme ça, il y a eu d'autres mises à jour sur Ethereum où on a vu euh, des arnaqueurs, et là clairement on parle d'arnaqueurs, euh, qui euh, ont tenté le coup euh, de récupérer vos Ethers alors en pariant sur le fait que vous êtes non technique, etc. Clairement, pour le merge, si vous êtes un utilisateur d'Ethereum, si vous avez des Ethers sur un Ledger, même sur un Metamask, sur, sur ce que vous voulez, vous n'avez absolument rien à faire. Il n'y a pas de mise à jour à faire de votre wallet, il n'y a pas de mise à jour à faire euh, sur un smart contract, etc. Vous n'avez rien à faire, euh, ce sera complètement invisible pour vous. Euh, et toute personne, et là j'insiste dessus et je prends le temps d'insister dessus même si ça peut paraître évident pour certains, toute personne qui vous dit si vous recevez un message bizarre sur Telegram, si vous recevez un, un, un message privé sur Discord d'un peu chelou d'un compte qui se fait passer pour un administrateur ou un modérateur d'un Discord officiel dans lequel vous êtes, vous êtes en présence d'un arnaqueur. S'il vous dit euh, faut décharger une nouvelle version de Metamask, s'il vous dit allez sur ce site et euh, dé euh, protégez-vous euh, d'éventuels hacks sur Ethereum Proof of Work etc, il est en train de vous arnaquer. Il n'y a, y a pas d'exception à ça et ça je veux être extrêmement clair, vous n'avez rien à faire pour le merge. Et si vous ne faites rien, vous ne prenez aucun risque. Et ça, c'est la première stratégie. Je vais décrire avec vous les six stratégies que, que j'ai présentées dans ce trade. La première stratégie, elle est tout à fait valide, elle est tout à fait honorable. Ne rien faire, c'est tout à fait valide. Et vous n'allez pas prendre de risques si vous faites ça. Et parfois, euh, il vaut mieux laisser passer ce qu'on considère euh, comme une opportunité plutôt que bah, de prendre des risques inconsidérés qui pourraient affecter négativement euh, votre, euh, votre patrimoine, votre portfolio. Maintenant, euh, si vous voulez faire quelque chose, bah, je vous présente euh, d'autres euh, euh, stratégies. La première chose, c'est que si vous voulez récupérer des Ethereum Proof of Fork euh, et que vous êtes sur de la finance centralisée, des échangeurs de type euh, Kraken, Binance, etc., essayez de vous assurer que ces échangeurs ont déjà communiqué normalement ils ont tous communiqué officiellement et s'ils n'ont pas communiqué c'est que bah, on va le voir ensemble mais ils ont tous communiqué officiellement s'ils allaient soutenir ou pas euh, le trading et les dépôts et les retraits de des ether proof of work donc euh, par exemple Poloniex a soutenu et ça a été le premier euh, que euh, si vous avez des Ethers euh, chez eux ils vont vous euh, donner des Ethereum Proof of Work à ma connaissance après c'est pas le meilleur endroit euh, pour être bah, mais ouais, en tout cas ils ont été clairs sur cette question et ils ont déjà listé le trading de produits dérivés qui ressemblent à Ethereum Proof of Work et qui euh, seront normalement s'ils respectent leur parole euh, bah, transformables en Ethereum Proof of Work après le merge euh, Uobi c'est un autre exemple par contre, dans les exemples d'échangeurs centralisés qui n'ont soit, soit pas communiqué, soit communiqué, euh, qui n'allaient pas soutenir Ethereum Proof of Work, on a Kraken qui a été très ambigu euh, sur le sujet en disant qu'on ne soutient pas le truc, on soutient Ethereum, le merge, etc., le staking. Euh, mais euh, peut-être qu'éventuellement, si on nous demande, on le fera Ethereum Proof of Work ça c'est euh, assez ambigu, ambigu ça veut dire non à court terme, euh, et si ça a du succès et que ça a de la valeur et qu'on peut gagner des sous, peut-être qu'on le soutiendra. Coinbase par exemple, il n'y a pas de déclaration, et la probabilité que Coinbase liste Ethereum Proof of Work dans le court terme, donc très proche du merge, elle est quasiment de zéro. Donc la première chose à faire, si vous voulez jouer entre guillemets sur Ethereum Proof of Work, euh, mais que vous voulez rester dans la finance centralisée, vous vérifiez que votre échangeur sur lequel vous êtes actuellement avec vos fonds Ethereum va soutenir Ethereum pour Work, Si ce n'est pas le cas, sortez de là et allez sur un échangeur euh, qui a annoncé qu'il euh, veut soutenir quitte à repartir après que vous ayez fait vos petites affaires euh, si vous avez déposé des Ethers vous récupérez au moment du merge euh, des Ethereum Proof of Work que vous décidez de les vendre ou vous décidez de faire ce que vous voulez avec euh, vous pouvez très bien ensuite retirer euh, bah, vos Ethers, vos Ethereum Proof of Work et les ou ce que vous voulez et les ramener dans l'échange euh, dans lequel vous avez l'habitude d'être. Euh, faites attention tous les échangeurs ne se pas euh, généralement ceux qui soutiennent Ethereum Proof of que c'est pas forcément les meilleurs. Moi je pense que euh, bon vous connaissez mon opinion sur les euh, sur les échangeurs centralisés. Euh, je pense qu'ils sont tous mauvais de toute façon. Mais euh, dans les moins mauvaises options, euh, je dirais que Uobi euh, ça, euh, ce sera probablement euh, l'échangeur qui présente le moins de risques euh, sur cette question-là. Mais en fait, la seule stratégie euh, sans risque, c'est la première, celle de rien faire. À partir de la deuxième et jusqu'à la sixième, on accepte de prendre certains risques pour éventuellement un profit. La dernière chose que je veux dire sur ce sujet, sur cette stratégie, c'est que si vous opter pour cette option d'aller sur un autre échangeur ou de sortir d'un échangeur pour vous-même faire quelque chose on-chain, il faut le faire maintenant. C'est-à-dire que cette émission, normalement, sera diffusée jeudi, on sera encore plus proche du merge à quelques jours. Euh, il est très fortement probable, voire quasiment obligatoire, euh, que les échangeurs centralisés fassent à en présence de l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire d'Ethereum, vont pas prendre de risques et vont couper tous les dépôts, tous les retraits euh, entre la blockchain Ethereum et les échangeurs quelques heures, quelques minutes, a priori quelques heures, quelques jours, euh, possiblement, avant. Euh, ce fameux émerge histoire de ne prendre aucun risque et s'il y a le moindre problème euh, savoir où sont euh, dans quel panier sont les œufs et euh, pouvoir euh, s'adapter euh, au le cas échéant donc N'attendez pas la dernière minute pour le faire puisqu'il est très fortement probable qu'à un moment euh, vous receviez une petite notification dans votre échangeur en disant bah, à partir de maintenant ou dans, dans quelques heures, euh, tous tes pots et échanges euh, seront bloqués. Et du coup, vous, vous allez vous retrouver bloqué à l'intérieur de votre échangeur et du coup vous, vous tombez dans cette situation, dans la stratégie numéro 1, ne rien faire, puisque de toute façon, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes dans votre échangeur et euh, vous y restez jusqu'au merge. Et une fois que le merge est percé, euh, avoir des Ethereum Proof of Work, c'est terminé. Donc euh, ça, c'est mon conseil. Je ne vous conseille pas fortement d'utiliser de, des échangeurs centralisés, mais si c'est le cas, euh, appliquez votre stratégie le plus tôt possible, plutôt que euh, d'attendre la, la dernière minute, puisque ce n'est pas garanti que la, à la dernière minute, vous puissiez bouger euh, vos actifs. Euh, je parle de l'ETHER, mais il est fortement probable que les ERC20, ce soit la même chose. Je parle des ETHER, mais il est fortement probable euh, que euh, les ERC20 de type USDC, USDT euh, et d'autres tokens, ce soit exactement la même chose. Donc, si vous voulez réarranger euh, vos fonds sur les échangeurs centralisés et, et, et déménager entre guillemets, faites-le maintenant. N'attendez pas le dernier moment. La troisième chose à faire, euh, c'est euh, ce que j'ai dit, c'est que pendant... J'en avais parlé un petit peu plus longuement euh, dans une interview au journal du Coin euh, récemment. Euh, pendant la ruée vers l'or, ceux qui ont à peu près à chaque fois gagné de l'argent, et de manière beaucoup plus sûre, mais souvent avec des profits plus importants, euh, c'est ceux qui vendaient les pelles et les pioches c'est à dire que euh, la ruée vers l'or c'est génial, on a la soif de euh, on va récupérer des ethereum pour foire gratuitement et peut-être qu'ils auront de la valeur et on va gagner de l'argent etc, ça c'est un peu la ruée vers l'or, c'est l'appel de l'aventure, c'est très bien mais on sait absolument pas comment ça va se passer euh, les retours ne sont pas forcément garantis on ne sait pas euh, pour l'instant. Tout le monde a envie de vendre des Ethereum Proof of Work. Comme je l'avais dit pendant le live sur Twitch, euh, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui, avec conviction, s'est dit je vais in investir dans Ethereum Proof of Work. Euh, donc un marché où il y a beaucoup de vendeurs et pour l'instant les vendeurs sont difficiles à décerner, euh, les acheteurs sont difficiles à décerner. C'est un petit peu, euh, enfin au niveau du prix, il n'y a forcément qu'une seule direction qui est possible et c'est vers le bas et relativement vite. Donc euh, les profits ne sont pas garantis sur Ethereum Proof of Work. Euh, et du coup, l'équivalent de la finance décentralisée de vendre les pelles et les pioches euh, de l'arrivée vers l'or, d'avoir son petit magasin d'outillage, c'est simplement d'apporter de la liquidité euh, dans les protocoles de liquidité qui sont faits pour ça. Et par exemple, le rendement actuel euh, d'Ethereum sur AV, euh, il est supérieur à 9%. Alors, en tout cas, quand j'ai fait le trade, il faut que je, je le vérifie. Là, on est sur l'application AV. Et si je vais sur Ethereum version 2, qui est le marché mainnet euh, principal, comme ça vous aurez le truc. Bien sûr, quand vous regarderez l'émission, ça aura encore bougé, euh, puisque là on est sur 10,8%. Donc ça a encore augmenté euh, par rapport à ce matin. Et du coup, 30% en emprunt, ce qui est énorme. Euh, donc, vous pouvez gagner 10,86%. Bien sûr, si on était dans cette situation pendant un an complet, ça n'a aucune chance d'arriver, mais euh, vous avez déjà un rendement qui est pas mal. Pour l'Ether, c'est euh, absolument euh, historique, puisque un actif qui est comparable, le Bitcoin, normalement, l'Ether, bah, voilà, ça rapporte 0,0 quelque chose pour cent, euh, au mieux 0,1, 0,2%, mais euh, 10% sur les terres, euh, sur un protocole de liquidité qui est à bas risque, qui s'est jamais retrouvé sur rect, euh, rect News, euh, où en fait vous avez juste à faire un dépôt, euh, vous touchez vos intérêts et vous passez à autre chose. C'est quand même intéressant, bien sûr ça ne durera pas, à partir de l'instant du merge les gens vont rembourser leur position, pourquoi on gagne tant C'est parce que les gens sont prêts à emprunter, et à vil prix, puisque 30% ça coûte cher quand même sur de l'Ether, euh, les gens sont prêts à emprunter afin euh, d'avoir des Ethers sur leur wallet pour avoir des Ethereum Proof of Work et éventuellement les vendre. Euh, en gros, eux, c'est ceux qui vont dans la montagne pendant la ruée vers l'autre en essayant de trouver des, des pépites et ceux qui apportent de la liquidité. Moi, c'est ce que je conseille dans cette troisième stratégie et ce que je fais personnellement avec euh, une partie de mes éthers qui ne sont pas encore euh, Bah, C'est simplement de leur euh, leur vendre le matériel, euh, toucher les intérêts, 10-85% actuellement. Vous, vous verrez euh, au moment euh, où cette émission passe euh, où on en est à peu près et, euh, et simplement. Profiter de deux semaines avec un rendement plutôt élevé. Attention aux frais de transaction sur Ethereum, ils sont plutôt bas en ce moment. Euh, mais si vous appliquez cette stratégie très proche du merge, bah déjà, euh, l'opportunité, elle est jusqu'au 15 septembre. Donc chaque jour où vous, vous laissez passer cette opportunité, ou euh, en tout cas vous ne participez pas, participez pas à cette opportunité, euh, bah, ce rendement va diminuer. Donc euh, faites bien attention aux. aux aux frais de transaction, faites votre petit calcul parce que gagner 10% sur deux semaines, euh, ça peut faire un certain rendement, mais si euh, vous avez dépensé euh, 3% de votre capital euh, pour euh, payer vos frais de transaction, finalement c'est pas vraiment intéressant. Donc euh, stratégie à réserver aux gens qui ont un capital suffisant euh, pour que deux semaines à 10-11% ce soit intéressant pour eux financièrement par rapport aux frais de transaction. Mais voilà, ça c'est une deuxième stratégie. Bien sûr, je parle d'AV parce que ne bah, on va pas me critiquer. Je pense pas qu'on puisse me reprocher euh, de d'utiliser mes propres produits. Euh, ces choses là sont valables sur euh, les autres équivalents comme pand, etc. Euh, a priori, vous trouverez euh, des taux, mais je crois que AV pour l'instant c'est là où le rendement est le plus élevé. Deuxième chose, euh, enfin quatrième euh, stratégie euh, en l'espèce, euh, considérer les euh, tokens euh, de, euh, de staking liquide. Donc, on vous avait parlé de nombreuses fois sur la chaîne euh, de Lido, c'est-à-dire que si vous voulez être un staker sur Ethereum, c'est 32 Ether. 32 Ether actuellement, au, au prix où je vous parle, c'est entre 50 et 55 000 dollars, c'est énormément d'argent, c'est hors de la portée de la plupart des, euh, des, des gens qui nous écoutent et c'est tout à fait euh, honorable. Tout le monde n'a pas euh, 50 000 dollars qui traînent à mettre dans l'Ether et dans un Ethereum et c'est. Euh, c'est pas grave, c on vous le souhaite euh, d'être capable de le, de le faire le, le plus tôt possible et on vous souhaite le meilleur sur cette chaîne. Mais on peut comprendre que ce soit pas votre situation aujourd'hui. Du coup, si on a moins de 32 éthers, il existe la solution des staking pools. Les Staking Pools, c'est simplement des protocoles qui vont prendre, bah, si vous avez un Ether, ou 0.5 Ether, ou 2 Ether, ou 3 Ether, enfin la, la somme que vous voulez euh, en dessous de 32 Ether, euh, vous pouvez les échanger contre, ou les staker euh, avec cette euh, Staking Pool, et en fait, euh, cette Staking Pool, donc en l'occurrence Lido, va prendre les dépôts, euh, votre Ether à vous, euh, l'Ether de 31 autres personnes qui ont déposé un Ether, et va former des nœuds, comme ça progressivement. Et à chaque fois que il y a 32 Ethers de dépôt, un nouveau nœud validateur est mis en place. Alors bien sûr, dans la réalité, c'est pas parfait, parfait, etc. Mais un nouveau nœud validateur est mis en place. Eux ils prennent des petits frais pour, parce qu'ils gèrent l'infrastructure, ils gèrent les nœuds, le uptime, etc. Et puis il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Donc vous n'allez pas gagner autant que si euh, vous faites euh, votre propre nœud. Je crois qu'ils prennent 10% l'ido euh, à confirmer. Mais euh, ça vous permet d'avoir les revenus du staking sans avoir le, le besoin d'avoir 32 ETH. Donc, c'est une solution intéressante. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le staking sur Ethereum, c'est euh, une action à sens unique. Dans le sens où, lorsque le merge arrive, alors le staking a commencé avec l'apparition de la Bitcoin chain en décembre 2020. Et les gens qui ont stacké en décembre 2020 ne sont toujours pas capables de unstacker. Le unstaking, c'est-à-dire l'action de retirer, euh, de désactiver son ad validateur et pouvoir retirer les, le dépôt euh, d'Ether qui, qui a eu lieu, ne sera possible que, premièrement, après le merge, puisque c'est là où Ethereum sera au Power of Cork, et deuxièmement, après une seconde mise à jour qui euh, permettra et qui est prévue pour dans six mois, mais on connaît les délais sur, les, sur Ethereum, donc ça se trouve, ce sera neuf mois, ça se trouve, ce sera un an, euh, qui permettra de faire ce qu'on appelle exit, de sortir son note validateur, son not validateur de, du staking officiel d'Ethereum pour pouvoir retirer ses Ethers. Donc en fait, lorsque vous achetez du STET, lorsque vous participez au staking, vous savez quand vous rentrez, vous connaissez votre rendement, et il est relativement prévisible, mais vous ne savez pas quand, vous, quand ces Ethers redeviendront liquides. Donc à ne faire qu'avec la partie de votre portefeuille que vous vous pouvez vous permettre de garder à très long terme. Enfin, à très long terme dans le monde des cryptos, c'est-à-dire 6 à 9 mois, voire un an. Euh, je sais que dans les cryptos, 5 minutes, c'est du long terme. Euh, dans l'investissement classique, un an, pas c'est pas si dur que ça, mais je peux comprendre que euh, certains ont des, euh, des impératifs qui sont un peu plus court terme. Donc vraiment, euh, j'insiste là-dessus. Le STF, c'est un engagement euh, qui est pour plusieurs mois, a priori, euh, si vous voulez récupérer vos éthers. Et comme cet engagement est sur plusieurs mois, certains sont prêts à perdre un petit peu d'argent pour pouvoir récupérer des ethers, parce qu'ils ont des besoins de liquidité, parce qu'ils sont dans, une, dans des situations qui, qui leur correspondent. Et du coup, il existe des poules de liquidité, notamment là la principale, elle est sur Curve entre Ether et stETH. Et si votre ether vous voulez l'échanger, votre stETH, donc votre ether staked liquide par L'ido, vous pouvez euh, le récupérer des éthers qui sont liquides euh, complètement. Vous pouvez aller sur curve, mais euh, vous allez en fait perdre un petit peu euh, d'éthers dans l'histoire euh, 3,5% actuellement, c'est-à-dire que un éther normal entre guillemets euh, vous pouvez acheter 1,035 et quelque chose. Euh, St. alors, ça vous touche pas particulièrement, puisque ça touche surtout ceux qui ont fait au tout début, quand le ratio était à 1 sur 1. Mais là, si vous avez acheté des STH récemment, en fait, vous n'êtes pas si impacté que ça, parce que bah, le discount, il est relativement stable. Donc, a priori, vous les avez déjà achetés à ce discount et vous les vendez au même prix. Donc, au final, au nombre d'éther, vous êtes à peu près dans la, dans, dans la même configuration quand vous rentrez, quand vous sortez. Mais ce n'est pas vrai si le discount devient plus important. Et ça c'est vraiment euh, le cœur hein, de, de cette autre stratégie, c'est de parier sur le fait que bah actuellement il y a des gens sur AV euh, ou sur d'autres protocoles qui ont déposé du STF, donc euh, qui est ici, ça représente 1,5 milliard de dollars, quand, euh, parce que euh, le STET paye entre guillemets les revenus du staking qui sont aux alentours de 4% actuellement, et ont décidé, parce que qu'ils croyaient en la valorisation à long terme d'Ethereum, plus euh, ils pensaient qu'ils bah, allaient pouvoir euh, toucher un, un petit peu de sous de cette manière, ont emprunté des Ethers qu'ils ont eux-mêmes transformés en STH afin de faire une boucle de levier. Donc ils ont déposé des STH, ils ont emprunté des Ethers qui sont utilisés pour acheter du STH, qu'ils ont redéposé sur AD pour pouvoir avoir plus de collatérisation puisque la valeur de leur dette à ce, ce moment-là était stable, la valeur de leur collatéral a augmenté puisque les Ethers empruntés ont acheté des STH qui ont été utilisés pour rejoindre le collatéral, et certains ont fait des boucles de levier relativement importantes. Alors ça c'est des choses qu'on monitore énormément chez AV puisque bah, il en va de la sécurité du protocole et on essaye d'avoir un œil sur les niveaux. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, avec 30% de coûts d'emprunt d'Ethereum, aucune des personnes dans, qui ont fait ces actions sont en train de gagner de l'argent. Puisque quand l'Ether était à un prix d'emprunt entre guillemets normal, c'est-à-dire entre 0,5% et 2,5%, avec un revenu du collatéral à 4%, au final, on est payé pour emprunter, puisque le revenu du, du dépôt euh, était supérieur au coût de la dette. Donc c'était vraiment ça la stratégie, si on fait beaucoup, plus de, de boucles de levier, c'est 2-3% de, de marge entre le, coût du, le revenu du dépôt et hein, le coût de la dette, et eh ben ça peut devenir 5, 10, 15, 20%, mais en fait ce piège s'est refermé euh, du fait que bah, les gens empruntent de l'Ether pour Ethereum Proof of Work sur les gens qui ont fait ces boucles de levier. Et du coup, bah, ce revenu qui était de 5, 10, 15, bah, ça devient aujourd'hui 30% moins 4% en perte, fois le nombre de leviers. Donc ça fait des pertes qui sont hallucinantes euh, sur, euh, sur le long terme. Après, on n'est pas sur une situation qui est là pour s'ancrer sur le long terme, parce que ça n'a pas de sens de payer 30% pour emprunter les terres. Mais euh, sur le court terme, euh, on est dans des positions où la valeur, de la, la valeur de la dette, du fait des intérêts, augmente beaucoup plus vite que la valeur du collatéral, du fait bah, des revenus du staking. Et du coup, peut y avoir des liquidations ces liquidations, elles vont avoir lieu sur la principale poule de liquidité qui est sur Curve, le ST-Ether et du coup, ça, ça va baisser la valeur du STF en Ether par rapport à la poule de liquidité tout simplement puisque une poule de liquidité essaye d'avoir à l'équilibre deux actifs et ajuste le prix afin de, de maintenir l'équilibre entre ces deux actifs et du coup bah, si beaucoup de gens échangent du STF sur la poule et vont prendre de l'Ether sur la poule et ben bah, on va se retrouver avec peu d'Ether dans la poule et beaucoup de sth donc ajustement du prix la poule curve va considérer que le prix du STF en Ether est inférieur à un Ether et va créer ce discount sur le STT de plus en plus. Le record là-dessus, c'est quand il y a eu les grandes liquidations de la DeFi avec Triaro Capital et Celsius. 6 milliards de liquidations en moins de 15 jours, c'est absolument historique dans l'histoire de la finance décentralisée. Je pense que vous êtes au courant et que vos portefeuilles ont bien vu passer la tempête quand ça a eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois. Et le plus gros discount que ça a fait, c'était 8% donc on pouvait acheter pour un Ether 1,08 STF, ce qui correspond à 8% à 2 ans de revenu de staking, c'est-à-dire que si vous avez des Ethers et qu'à ce moment-là vous les échangez contre des STF, et eh bien, vous avez vos deux premières années de revenus de staking gratuites, immédiatement. Et si vous êtes patient, vous attendez 6 à 9 mois, vous pouvez retirer. Parce que quel que soit le prix du STH sur les marchés secondaires, c'est-à-dire sur Curve ou sur, sur les échangeurs, dans tous les cas, dans 6 à 9 mois, quand il y aura le unstaking, chaque STH permettra de récupérer un Ether. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, si c'était le cas, euh, s'il y avait le moindre problème là-dessus ou le moindre doute, vous inquiétez pas qu'on le saura et euh, ce sont des choses qui sont auditables puisqu'on est dans la finance décentralisée donc tout est auditable, les smart contracts on sait exactement combien il y a d'Ether derrière chaque STF la seule chose c'est que il bah, y a des gens qui ne peuvent pas attendre 6 à 9 mois parce qu'ils ont pris des positions avec levier euh, qui vont se faire liquider ou qui sont en train de se faire liquider, euh, parce qu'ils ont des besoins de liquidité donc ils sont prêts à vendre à perte au final puisque euh, les gens qui font ça quand vous vendez un STF en dessous de la valeur du prix d'un Ether, vous vendez quelque chose qui a une valeur d'un Ether en dessous de sa valeur intrinsèque mais ça c'est la loi des marchés et euh, ce que je mets en avant et ça fait un petit peu mal, longtemps que je parle sur ce sujet donc je vais courter pour pas faire une émission d'une heure euh, ce que je mets en avant dans cette stratégie c'est de bien regarder dans les prochains jours si vous avez des éthers euh, qui, qui traînent sur votre wallet euh, ce court STF Ether donc vous pouvez le voir assez facilement hein, sur Curve euh, je vais vous ouvrir une page normalement je les avais préparé mais pas là dessus euh, si ça veut bien fonctionner, oui donc curve.phi et ainsi vous vérifiez euh... alors c'est un petit peu plus lent on va prendre une seconde si vous vérifiez euh, un échange entre de l'ether et du stit euh, vous allez avoir le taux qui va s'afficher ether et st -IT. Donc, stack Ether de Lido, de toute façon, il y a les logos. Là, vous voyez qu'on est à 3,5%, 0,3%. Donc, un Ether va vous donner 1,03%. Si vous voyez ce taux passer à 5, passer à 6, passer à 8 euh, dans les prochains jours, ce qui est possible, hein, ce qui n'est pas quelque chose de complètement impossible et inenvisageable, pour moi, c'est une très belle opportunité, euh, très clairement. Euh, si vous êtes un investisseur long terme, si vous n'êtes pas là pour trader, euh, acheter, vendre, acheter, vendre toute la journée et être le, le nez collé sur les charts, si vous, de toute façon, vous pensez que les Ethers, vous les aurez encore dans un an parce que vous faites un investissement à long terme, aujourd'hui, avoir de l'Ether, c'est intéressant euh, pour tout un tas de raisons. Mais si vous avez une belle opportunité sur le STH et que de toute façon, euh, ces Ethers sont sur un Ledger, franchement, c'est hyper intéressant à acheter à 8 centimes. Enfin à 8% de, de, de discount. Moi, je n'ai pas réussi à avoir les 8% pendant Celsius, mais j'ai acheté pas mal de STH à 5% de discount, ce qui est déjà une belle performance, un an de, de revenus de staking en un clic. Donc voilà là-dessus. Si vous êtes, bien sûr, il y a toujours un risque qui est lié à l'IDO. L'IDO, ça fait partie des acteurs les plus sérieux de l'écosystème, donc moi, personnellement, je ne considère pas ce risque comme un risque très élevé, mais euh, ayez conscience que si l'IDO a un problème, s'il si y a un problème sur le staking, s'il si y a un problème sur le merge, etc., il est possible que ces ST bah, soient bloqués. Donc, euh, faites euh, ou n'est pas, euh, pas toute la valeur euh, d'un éther par STF. Ces risques, très personnellement, je les considère comme extrêmement faibles, mais c'est mon opinion personnelle. À vous de faire vos propres recherches là-dessus. Pour continuer sur ce sujet, mais brièvement, parce que ça fait longtemps qu'on parle, euh, il n'existe pas que l'IDO il existe des, euh, des produits qui sont un petit peu plus exotiques, un petit peu moins liquides. Pourquoi on vous parle de l'IDO et du, du STF C'est parce que la liquidité est absolument gigantesque. 1,2 milliard de liquidités sur, euh, sur, là-dessus, euh, 25 millions de dollars de volume. Euh, clairement, si vous achetez euh, un Ether, bah, ça passera euh, sans souci, mais si vous en achetez pour, euh, je sais pas, 100 ou, euh, ou 500, euh, d'ailleurs félicitations si vous êtes capable d'acheter 500 éthers d'un coup, euh, ça passera aussi sans souci et sans faire bouger le prix de manière hallucinante. Mais il existe d'autres alternatives en liquid staking. N'importe qui qui a une staking pool peut créer un dérivé liquide euh, de, du STF. Il y a Rocket Pool avec le r -IT. Et euh, aussi, euh, je pense que c'est parce que c'est un nouvel acteur et qui vient de sortir le produit et que pour l'instant la pool de liquidité n'est pas énorme. Vous avez le CB-Hit qui est en fait la même chose mais qui vient de Coinbase. Et actuellement, le discount est gigantesque 8%. Euh, donc, un éther vous donnera 1,08 et c'est exactement le même principe que le st cest c'est-à-dire que dans 6 à 9 mois euh, ou un an, bah on verra euh, quand les unlocks auront lieu, vous pourrez échanger. Euh, c'est 1,08 CB plus les revenus du staking qui auront lieu donc probablement 6-9 euh, mois on sera plus à 1,1 et Cb contre 1,1 Ether à, au ratio 1 sur 1 et là il n'y a pas vraiment de doute sur la question donc ça vous fait 2 ans de revenus de staking en un clic donc c'est relativement intéressant par contre vérifiez bien vous voyez que il euh, y a un petit peu de slippage là dessus pourquoi parce que la liquidité sur cet actif n'est pas énorme elle n'est pas impressionnante. Donc faites bien attention à vous. Euh, a priori, si vous n'avez pas 100 éthers à, à échanger, ça ira très bien. Mais faites attention à vous là-dessus. Puisque si vous commencez à, à augmenter les, les prix sur un ou 10 éthers, on voit que le prix est relativement stable. Mais si on commence à aller sur des sommes qui sont hallucinantes, je pense que 99,9% d'entre vous ne sont pas dans ces sommes-là, on commence à avoir un prix qui bouge. Après, ça reste un discount qui est intéressant pour 1,6 million de dollars. Donc, euh, on n'est pas non plus dans une situation catastrophique. Mais euh, je, je tenais à le mettre en avant. cb euh, CBET, on est dans les euh, dérivés du staking qui sont les plus safe à mes yeux. Il en existe d'autres. Certains ont encore plus de discount, certains ont moins de discount. Euh, faites attention à vous. Euh, tout n'a pas la même valeur. Là, je vous en ai présenté deux que je considère safe dans tous les cas. Enfin, où la, la probabilité que ça se passe mal est assez faible. Euh, si vous allez euh, trouver euh, d'autres dérivés, faites bien, bien euh, vos recherches là-dessus. Euh, je, je pense, il existe aussi le B -ET de Binance, mais je ne crois pas que le discount soit énorme dessus, mais on est à peu près sur les mêmes principes. Donc n'hésitez pas à l'explorer ça aussi, même si je trouve que Binance est un acteur moins intéressant à mes yeux que les deux que je vous ai cités jusqu'ici. Dernière stratégie ensemble qu'on voit ensemble, c'est que les marchés ne sont pas efficients. C'est-à-dire qu'il euh, y a des économistes qui viennent à la télé régulièrement vous dire qu'il y a une efficience des marchés, qu'il faut une libre concurrence. Et tout ça, c'est très beau en principe, mais c'est très beau dans les, les bouquins d'économie. Dans le monde réel, euh, il existe tout le temps des opportunités, des arbitrages euh, et euh, des choses à aller trouver. Et c'est comme ça que, bah, en fait, dans un marché parfaitement efficient, euh, il est difficile de gagner de l'argent en faisant du trading, hein, très clairement. Euh, il y a toujours une asymétrie de l'information, il y a toujours des, des inefficacités du marché. D'ailleurs, bah, ça fait partie de cette théorie, c'est que les gens trouvent ces inefficacités, en profitent et euh, viennent rééquilibrer les marchés. Donc comme quoi, c'est pratique une théorie qui se répare d'elle-même. Quand ça marche pas, et ben, les gens sont incités à ce que ça marche. Mais bon, on n'est pas là pour vous faire un, un cours d'histoire économique ou, ou d'idéologie. On est là pour vous présenter euh, des choses qui sont intéressantes. Donc on a vu ensemble que c'était 30%. Donc euh, en 4 heures, ça augmentait encore plus euh, le, le coût d'emprunter des Ethers sur AV. Mais en fait, euh, il existe des protocoles de liquidité. Donc là, je vous parle encore d'AV, mais comme, euh, comme je vous l'ai dit, il existe des alternatives à AV sur d'autres marchés, etc., euh, qui euh, ne sont pas sur Ethereum et qui présentent parfois euh, des coûts d'emprunt qui sont tout à fait acceptable euh, dans le sens où bah en fait personne n'a pensé pour l'instant bon après on fait une émission là-dessus mais je suis pas sûr que on ait de quoi bouger les marchés tout seul mais personne s'est dit ah ben bah, tiens en fait je vais euh, je vais au lieu de payer à vil prix c'est-à-dire 30% euh, mes ethers que je veux emprunter sur AV euh, Ethereum Mainnet bah, pourquoi je les emprunterai pas à 2% sur AV aussi mais sur Arbitrum et du coup si vous avez des liquidités euh, sur Arbitrum, vous pouvez faire un dépôt, par exemple, de, de Stablecoin ou d'autres choses, emprunter à 2%, et ensuite, euh, envoyer ces Ethers de Arbitrum en utilisant un bridge, euh, on vous avait parlé sur l'émission de Rango.Exchange, euh, de Lifi, etc. Envoyer, euh, ou Hop, euh, dans, dans le cas d'Arbitrum, qui marche très bien aussi comme bridge, envoyer vos Ethers sur Ethereum mainnet et euh, les apporter par exemple en liquidité euh, directement sur AV. Donc en fait vous empruntez ça vous coûte 2% et vous déposez ça vous rapporte euh, là pendant qu'on fait l'émission ça vous rapporte euh, 20% à peu près voilà ça vous rapporte 10%. Donc en fait vous avez 8% de différence entre les deux. Alors bien sûr ça, c'est une inefficacité des marchés. Je vous ai présenté Arbitron, mais en fait, il existe différents marchés sur d'autres chaînes qui peuvent être intéressantes également. Euh, c'est clairement une inefficacité du marché. On verra si cette opportunité continue. Euh, attention à vous, euh, c'est possible aussi que bah, vous ouvrez cette position. Et c'est pour ça que je dis que chaque stratégie a, a des risques. Vous ouvrez cette position, finalement, les gens s'en rendent compte euh, et euh, vont. Euh, emprunter de plus en plus sur Arbitrum, vous allez re vous retrouver au final à un équilibre. Vous allez payer 28% et ça vous rapporte 10% et vous êtes en train de perdre de l'argent puisque votre arbitrage il euh, s'est retourné contre vous. Normalement, vous pouvez retirer, si c'est le cas, vous pouvez retirer vos Ethers euh, d'Ethereum Net s'il y a de la liquidité disponible, les renvoyer de l'autre côté et rembourser euh, votre emprunt du, du côté du layer 2 afin de couper la position et de couper les pertes. Utiliser un bridge, bah, ça prend du temps. Ça coûte de l'argent, puisqu'il faut faire des transactions à ne réserver que si vous avez les moyens d'avoir un capital ou ces petits 8% de différence entre ce que ça vous coûte et ce que vous payez, ce que ça vous rapporte, à ne réserver uniquement si vous avez le capital suffisant pour que ça rembourse vos frais de gaz, sachant que cette opportunité elle n'est pas là pour un an, un an elle n'est pas là pendant 10 ans, elle est là a priori jusqu'au 15 septembre. Peut-être un jour ou deux après, euh, le temps que les gens ferment leur position, mais euh, le rendement normal d'un Ether, on le voit là sur les autres actifs, bah, il est en dessous de 0,3%. C'est euh, le rendement normal d'un actif spéculatif dans la finance décentralisée. Donc euh, les 10%, ils vont pas rester. Donc, mais à explorer. Euh, sinon, bah, vous vous empruntez sur Arbitrum. Euh, vous aurez du coup des Ethers sur Ethereum qui ont été empruntés et à un prix légèrement plus abordable que ce qu'il y a présentement. Vous attendez le merge, vous avez du Ethereum Proof of Work et puis vous en faites ce que vous voulez. Ou alors, ces Ethers que vous avez empruntés, vous envoyez ça dans un échangeur centralisé qui permet de soutenir Ethereum Proof of Work. Vous faites ce que vous voulez avec vos Ethers et vous les revendez. A priori, c'est mieux de payer 2% que 30%, même s'il y a un équilibre et que vous, 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 euh, vous allez payer un petit peu plus de 2% juste avant le merge. De toute façon, euh, les Ethers ne sont pas perdus, ils ne sont pas dépensés. Donc vous pouvez rembourser euh, votre position euh, relativement facilement. Donc ça c'était euh, les différentes stratégies. Je vais juste terminer sur la fin du trade. Euh, comme quoi, ça fait combien de temps qu'on enregistre Je regarde. 38 minutes <laughs> sur un trade de, de, euh, relativement euh, rapide, comme quoi il y a plein de choses à dire, et euh, c'est plutôt intéressant de, de, de ce format où on, on va un petit peu plus dans le détail. Euh, dernière chose, moi je vous déconseille très très fortement d'essayer de faire des transactions sur la blockchain Ethereum Proof of Work, tout simplement, et ça je l'ai euh, décrit en live, je l'ai décrit pendant les interviews. Euh, pendant les premières heures, peut-être même les premiers jours de l'existence d'Ethereum Proof of Work, qu'une blockchain, il y a une taille des blocs qui est limitée. Et euh, en fait, il y a des opportunités sur la chaîne Ethereum Proof of Work qui existent. Aller échanger euh, des USDC qui en fait valent rien sur Proof of Work contre des Ethers qui valent peut-être quelque chose. Euh, aller vider de la liquidité des échangeurs euh, décentralisés. Tout ce genre de choses, ça peut exister. Mais en fait... Cette stratégie-là, tout le monde est au courant, notamment ceux qui savent écrire du code de manière très optimisée pour passer avant vous, ce qu'on appelle le front-run, ce qu'on appelle le MEV, (miner extractable value) pour passer devant vous leurs transactions et remplir les blocs. Ce qui fait que vous, entre guillemets, dans 99% des gens qui nous écoutent, qui savent utiliser un wallet, faire des transactions, là, ça va être très compliqué et vous allez passer après tout le monde. Donc, au final, si vous tenez absolument à... Euh, malgré tous nos conseils, malgré tout ce qu'on a dit sur l'émission, vous êtes libre et vous faites ce que vous voulez euh, de votre euh, portfolio. Si vous tenez absolument à obtenir des Ethereum Proof-of-Work pour éventuellement les vendre ou les garder, faites-le dans un échangeur, en fait. Euh, le faites pas on-chain. Euh, parce que euh, si vous maintenez vos Ethers on-chain pour avoir euh, cette copie de ces Ethers et Ethereum Proof-of-Work, au final... Euh, le temps que vous arrivez à passer des transactions, le temps que vous arrivez à déposer ces Ethereum Proof of Core que vous avez réussi à obtenir euh, sur cette nouvelle chaîne, sur un nouvel échangeur qui ouvre son trading, bah, en fait l'opportunité de trading elle est très probablement passée et euh, vous allez vendre pour des miettes puisque euh, si ce qui est prévu euh, d'arriver arrive, c'est-à-dire que bah, ça commence en haut à gauche et ça va très très vite en bas à droite. Bah, en fait les, les premières minutes les premières heures elles sont cruciales sur cet actif donc euh, à vous euh, de voir là-dessus n'hésitez pas à, à écrire en commentaire euh, votre opinion sur ce nouveau format si vous voulez qu'on fasse d'autres euh, un peu explications en profondeur de, de trade, là j'ai fait sur un des miens mais euh, je pourrais le faire aussi éventuellement sur euh, d'autres acteurs euh, de, de la communauté qui vous euh, passer des, des choses qui seraient intéressantes ou euh, des, des news et euh, c'est un format qui peut être intéressant donc n'hésitez pas à donner votre feedback en commentaire même si ça vous plaît pas et d'ailleurs bah, surtout si ça vous plaît pas euh, dans le sens où bah, tout retour est positif pour la chaîne ce qui nous permet euh, d'améliorer les émissions euh, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée